YSL clutch back, boss niggas love that my weave real long. Do my squats so that ass back. Love my attitude, so he call me Lil Brat Brat. He love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took a L, lesson learned, and I bounce back. Tripping off a nigga, man, for what? I just fall back. I don't have to. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo How to be cute and simple. Parce que ça c'est moi clairement. Je suis toujours simple, je suis toujours habillée simple. Je suis toujours, mon make-up est toujours simple. Ma coiffure toujours simple. Donc je me dis pourquoi pas faire une vidéo comme ça. Donc dans cette vidéo je vous montre comment je lisse mes cheveux. Enfin comment je lisse mes cheveux. Comment je mets mon maquillage et ma tenue. Donc mes cheveux, c'est les mêmes cheveux dans ma vidéo, j'essaye de soigner ma perruque comme les pros. Donc ces cheveux viennent chez Beauty Forever Hair. Ça fait un mois que j'ai cette perruque et je suis vraiment contente. Beauty Forever Hair, c'est un des meilleurs mis sur AliExpress, that's on fucking period. Donc voilà, là j'ai pas trop blablaté parce que j'aime pas trop parler dans mes intros. On va directement commencer la vidéo, bisous. On va commencer. Là j'ai fait mes sourcils off camera, vous savez, je fais toujours ça. Maintenant on va directement attaquer le teint. Donc le primer que je vais utiliser, j'ai pas envie de salir mon pull. Mon primer que je vais utiliser, il vient de chez LA Girl Pro, bref, je sais pas quoi là. J'essaie de le mettre l'archi sale, mais c'est normal en fait. Donc je vais le mettre sur mon doigt, j'ai pas envie de mettre trop. Et je vais l'appliquer en dessous de mes yeux, en fait dans mon zone T. Donc voilà, j'ai mis, vous avez vu comment ça a changé ma peau. Maintenant je vais prendre mon concealer slash foundation. En fait c'est un 2 en 1. Donc le mien il vient de chez Milani. Vous savez ça c'est archi la base. D'ailleurs je dois changer de truc parce que ça fait presque un an que je l'ai carrément. Et le mien il est en teint golden tan. Et vous voyez comment je l'ai vidé parce qu'il est tellement bien, je vous jure. En plus ça coûte moins de 15€ genre. Donc là, je vais l'appliquer en dessous de mes yeux. Non, si t'es nouveau sur ma chaîne, je crois que là, tu vas te dire pourquoi elle met pas ça sur tout son visage. C'est parce qu'en fait, moi, mon maquillage, je l'applique pas sur tout mon visage parce que je trouve que j'en ai pas besoin vu que ma peau, c'est pas une peau à problème. Dieu merci. Donc, j'ai juste l'appliqué en dessous de mes yeux, sur mon nez et pas sur mon front. Parce que j'ai appris que mettre du maquillage sur son front, ça fait fake, enfin, ça fait pas naturel. Donc j'ai juste appliqué ici en dessous. Là j'ai pris mon concealer de chez Makeup Revolution. Je crois que vous avez déjà entendu parler. Le truc il est archi bien. En plus le bail c'est qu'il est archi moins cher, genre. C'est tout ce qu'on veut en fait. Donc le mien il est en teint C11. J'ai juste appliqué un tout petit peu pour avoir un vrai highlight. Donc là en fait ça dépend de mon mood. Parfois je vais prendre mon brush qui vient de chez Real Techniques. C'est franchement ça il faut avoir en fait. Ça il faut l'avoir, c'est la base, faut l'avoir. Ou soit tu prends mon beauty sponge qui vient de chez Sigma. Aujourd'hui j'ai pris mon beauty blender parce que voilà, parce que je préfère avoir le beauty blender aujourd'hui. Donc j'ai pris ma spray de chez Mario Badescu. Je vais spray, ensuite je vais étaler mon concealer. Donc je vais blend. Donc là, je prends ce qui me reste sur le beauty blender, je mets ça sur tout mon front. Comme ça, il n'y a pas de démarcation parce que we don't want that shit. Donc voilà. Je prends ma poudre chez MAC qui vient celui-là. C'est le NC50 et je l'ai appliqué en dessous de mes yeux. Pour les gens qui ne savent pas, moi, j'aime pas faire du baking. J'aime pas le résultat, en fait, du baking. Je vais faire mon bronzer. J'ai utilisé ma palette qui vient de chez Makeup Revolution. Je vais faire mon bronzer. Enfin, étape obligatoire. Pour moi, en tout cas. Et je vais faire un nose contouring vite fait, là. Là, vite fait. Donc, voilà. Maintenant, je vais prendre mon blush pour réchauffer mon teint. Je trouve que le blush aussi c'est obligatoire en fait, surtout en tant que black girl, parce que quand on met tout ce bras tralala là sur nos visages, on a tendance à un peu paraître grise. On va remettre la couleur sur notre visage avec du blush. Donc mon blush il vient de chez Sleek, c'est le Blush by Tree Palette, c'est la base. Je vais mettre les trois couleurs au-dessus de mon bronzer. Maintenant je prends ma Mario Badescu spray et je vais... Oui, j'en ai beaucoup.
Là, je prends mon highlighter et je vais appliquer sur mes zones que j'aime bien highlighter. Donc, je vais reprendre ces deux couleurs. By the way, mon highlighter, il vient de chez Revolution Pro. Je vous ai dit, Revolution commence à me sponsoriser là parce que j'utilise trop le produit. Donc, je prends les deux couleurs et j'en mets pas trop sur mon pinceau parce que ce highlighter, il est vraiment très, très pigmenté, genre archi pigmenté. Maintenant, j'ai fini le teint. Maintenant, je vais prendre mon mascara. Là, je vais prendre mon gloss de GW7 et je vais mettre sur mes lèvres. Voilà, on a fini le make-up. Maintenant, on va attaquer les cheveux. J'ai déjà collé la perruque off-camera parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne comment j'ai collé cette perruque. Si vous ne l'avez pas encore vue, cliquez et allez regarder. Il sera en barre d'infos aussi. Donc, juste ce que je vais faire, c'est que je vais lisser les cheveux. Je speed up de vidéo parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire en lissant les cheveux. Donc, on se retrouve quand je vais vous montrer ma outfit. Donc voilà, vous avez vu que c'est archi facile de coiffer ses cheveux. Donc voilà, by the way, si tu sais pas, mes cheveux viennent chez Beauty Forever Hair. Dans la vidéo précédente ou deux vidéos d'avance, j'ai appliqué cette perruque sur ma tête devant vous. C'est encore la même perruque et franchement, je suis trop in love avec cette perruque. Je la mets presque chaque jour, like, c'est vraiment une perruque la base. Et cette perruque, c'est une 26 pouces, c'est 150 density et la lace, c'est brown lace. Et en plus, là, c'est le week-end de Black Friday, donc c'est sûr qu'ils ont grave des réductions sur leur site. Donc, tout sera en barre d'infos. Et voilà. Et là, je vais montrer my outfit, enfin, mon simple truc que j'ai mis. Parce que c'est quand même un truc how to be cute and simple. Donc, voilà, je vais montrer ça directement. Ensuite, c'est la fin de la vidéo. Donc, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien mettre des pulls et des bijoux et un jogging parce qu'en fait, on est simple, mais on est quand même mignon en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je vous conseille de toujours mettre des bijoux parce que en fait, ça met un spice à votre tenue. Donc voilà, moi mes bijoux viennent chez Pretty Little Thing. Voilà ma bague. En fait, on est simple, le make-up il est simple, les cheveux sont simples, la tenue elle est simple, mais on est quand même mignon en fait. En fait, toute ma tenue elle vient de Pretty Little Thing. Je vais vous mettre l'image à côté. J'ai encore faire un haul, donc sûrement vous allez revoir dans mon haul. Il vient de chez Pretty Little Thing aussi. En fait, c'est l'ensemble, mais j'ai juste mis le bas avec ce haut parce que je trouve que les deux couleurs, ça passe bien ensemble. Et voilà. Et ça fait vraiment simple, mais mignon. On est là, you know. Et le sac que je pourrais mettre avec cette tenue, c'est mon sac qui vient de chez Teddy Blake. Vous savez, je le kiffe, clairement. Donc, c'est vraiment le truc parfait qui passe ensemble, en fait. Donc, c'est vraiment une tenue, genre, tu pars faire du shopping, tu pars... capter ton mec, tu pars, je sais pas, c'est juste une tenue simple en fait, t'as pas besoin de te casser la tête. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la tenue. I like it. I really like it. This is just me. Je crois que c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Et on se dit à la prochaine. Bisous.